Bonjour à toi, personne extraordinaire, j'espère que tu vas bien. On est toujours à Granby, on fait une petite balade tranquillement et en même temps je vais te parler d'une chose qui revient souvent et je pense qu'il y en a beaucoup qui doutent de ça, c'est comment créer un business sans argent en 2022 et 2023, 2025, bah, comme tu veux, hein. Tu mets tous les chiffres après les 2000, ça sera toujours le cas. Donc avant ça, si tu es intéressé, si tu aimes ce que je fais, je t'invite à t'abonner parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas forcément abonnés à ma chaîne. Bah, je t'invite à t'abonner hein, si tu kiffes et comme ça, je pourrai t'aider au maximum à faire, à t'aider à te lancer ou à développer ton business. Bon, qui je suis Rafik et Mentor. Je suis entrepreneur de la formation. Pourquoi la formation? Parce que ces dernières années, j'ai mis en place des organismes de formation, des centres de formation et j'ai généré plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires et j'aide aussi d'autres personnes à le faire. Et si tu es intéressé, bah, du coup, j'ai des offres hein, par rapport au centre de formation. Donc là, ça s'adresse vraiment aux débutants, aux personnes qui veulent créer leur business et qui ne savent pas comment faire pour le faire sans argent. Donc, en réalité, je pense que le problème de dire sans argent, ce n'est pas véritablement le problème parce que tu vas sur Internet, tu cherches cette information-là, tu vas trouver plein de solutions. Donc, je vais malgré tout te donner les solutions, mais moi, j'aime bien aller en profondeur, c'est-à-dire que je ne vais pas juste m'arrêter et te donner les stratégies pour t'expliquer comment faire concrètement. Je vais te dire comment il faut penser, tu vois, comment il faut que tu penses, comment tu peux le faire mais en profondeur et que tu n'aies plus besoin de chercher l'information, chercher les différentes techniques pour le faire parce que c'est pas ça. L'objectif, moi, mon objectif, c'est que je te donne une information, je te donne les outils pour que tu n'aies plus besoin de moi, en fait, que tu sois vraiment autonome. Donc, je commence par les techniques, hein, très généralement. J'ai une technique que j'ai appelée la méthode TACA, c'est-à-dire que tu vas utiliser le temps des autres, l'argent des autres et les compétences des autres. Donc, quand tu mets en place cette application de cette méthode, qui existe, hein. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, il y en a d'autres qui le font, et bah du coup tu te rends compte que tu peux te lancer sans forcément chercher l'argent. Je pense que la seule chose que tu auras besoin, c'est un téléphone et internet. Dans les meilleurs des cas, peut-être tu as déjà un ordinateur. Donc tu auras besoin de ces deux choses-là, mais après, pas forcément d'argent. Donc pourquoi je te parle de la méthode TACA? Parce que simple exemple, du coup, on part de zéro, c'est-à-dire que tu te lances dans le business et tu n'as pas d'argent. Comment tu peux faire tes premiers 1000 euros, tes premiers 2000 euros? Donc, moi, ce que j'aurais fait, je serais parti sur Internet, Google ou YouTube et je commence à mettre dans la barre de recherche comment et je vois les propositions de recherche de Google. Et tu vas voir que Google va te proposer des termes qui sont recherchés par d'autres internautes. Et du coup, quand tu fais comment, après, là je te fais en live, comment créer, après peut-être tu vas te suggérer site internet, tu sauras que là c'est un service, c'est quelque chose qui est très recherché, la création de site internet. Donc toi ce que tu fais, c'est simple, tu vas identifier là où les personnes, identifier les personnes, l'avatar si tu veux, qui ont besoin de ces services-là. Tu vas te rendre où ils se retrouvent le plus et tu vas essayer de communiquer avec eux. Après, tu vas me dire, mais est-ce qu'il faut apprendre à faire un site internet? Non, il ne faut pas apprendre à faire un site internet. Donc, toi, ce que tu vas faire, tu vas communiquer avec eux et tu vas essayer tout simplement de vendre d'abord, de vendre ces prestations-là qui est déjà recherchée. Et ensuite, tu vas sur des plateformes comme Fiverr, comme 5euros.com ou comme d'autres, hein, Malte, il y en a d'autres. Et du coup,
dès que tu trouves le client, tu trouves le professionnel qui va faire bah, le service. Donc, et là, tu n'as pas mis d'argent dans la publicité, tu n'as pas mis d'argent dans ta formation pour devenir webmaster et créer et devenir un créateur de site internet. Tu n'as pas besoin de tout ça parce que là, dans la méthode TACA, on a utilisé les compétences des autres et on a utilisé l'argent des autres parce que c'est le client qui va te payer. Il va te payer, toi tu vas prendre une partie et le reste, tu vas donner ça au développeur qui va livrer le site internet. Donc là, tu vois, en termes de technique, tu peux, avec la méthode TACA, tu peux la retourner sur plein de domaines, sur plein de business, tu fais cette méthode-là. Et tu n'as pas forcément d'argent pour, le faire. Donc, la méthode profonde, c'est-à-dire pour régler le problème, pour que tu évites d'aller chercher à chaque fois les dernières techniques de faire un business sans argent, tu vois. C'est vraiment te dire bah, quelle est ma mission, c'est quoi ma vision et pourquoi je suis sur Terre. Ah, il y a de l'eau qui monte là. Et du coup, quand tu règles ça, quand tu règles ce problème-là profond, hein, parce que ce n'est pas un problème à la surface où on va te expliquer les stratégies, c'est un problème profond. Une fois que ce problème profond, tu l'as réglé, identifie ta mission, ta vision et j'ai envie de te dire ta fiche de poste terrestre, et bah du coup là tu vas voir que tu vas régler tous tes problèmes et tu vas voir que toi-même tu vas créer ta propre solution pour faire un business sans argent. Donc si tu es intéressé par rapport à tout ça, vision, qu'est-ce que je fais sur Terre, bah du coup bientôt je vais présenter bah, du coup un atelier où on va t'aider à régler ce problème profond pour que tu n'as plus besoin d'aller chercher les dernières techniques marketing, que tu n'as plus besoin forcément toujours être à l'affût sur les dernières petites stratégies à droite, à gauche ou à la mode, mais que ça sort de toi et que la solution sort de toi. Et pour que la solution sorte de toi, il faut que tu regardes et tu règles l'intérieur de toi pour que tu trouves les solutions à l'extérieur. Donc voilà pour cette vidéo et à la prochaine.